Aujourd'hui, les petits potes, on va parler du full moon. Le full moon, alors c'est un jeu de dingue, c'est une dinguerie ce jeu. C'est un truc de fou, on va en parler tout de suite. Et je vais vous donner un petit peu mon avis sur les trois que j'ai goûté pour l'instant. Il m'en reste encore un quatrième que je suis en train de faire un petit step dessus. On va parler de ça, mais avant on va se taper. Ah bah oui, on va aller sur le générique, c'est parti, on y va. Alors, les copains, aujourd'hui, on va parler du full moon. Alors, du full moon. Full moon, il y en a plein de sortes. Il y a plein de sortes de full moon. Il y a plein de sortes de full moon. Ils sont tous aussi démentiels les uns que les autres. Je vous le dis comme ça. Alors, ils sont quand même rattachés à du malaisien. Il faut dire ce qu'il y a, ce sont des jus malaisiens, donc très sucrés. Au niveau de l'usure, de la raise, on en reparlera encore, mais niveau de l'usure de la raise en toute franchise, je trouve pas qu'on soit sur une usure exagérée. On reste sur une usure très correcte. Vraiment très correcte. Très correcte de la raise, donc ça, il n'y a pas trop de stress. De l'autre côté, on a un goût. On a un goût absolument génial. Un goût qui ressort du feu de Dieu. Comme dit, par contre, c'est ultra sucré. Alors moi, je le conseille vraiment sur. Bien sûr, pour ceux qui me connaissent, sur la Zeus, alors ça, il faut le faire, il faut le vaper sur la Zeus, parce que pour moi, la Zeus, c'est la machine à saveur au niveau des fruités, et notamment des fruités frais, moi, j'adore les fruités frais, donc ouais, carrément, ça, c'est un truc qu'il faut, il faut grave test, parce que sur la Zeus, ça marche du feu de Dieu. Et donc, du coup, on était maintenant sur la première. Alors, ça, c'est le Full Moon Dark. Je vous fais un petit focus. Voilà, le Full Moon Dark. Alors, le Full Moon Dark, vraiment très bon. Full Moon Dark Infinity. Alors, celui-ci, c'est cerise noire, groseille, fraise. Alors, c'était pas mon préféré. Mais il était bon, il était très très bon. Et franchement dit, il ressort très bien la saveur. Il a une sorte de touche un petit peu subtile comme ça, qui pète en bouche. J'aime bien, j'aime vraiment beaucoup. C'est très intéressant, très très intéressant. Mais c'était pas mon préféré, ça c'est un fait. Par contre, on va se retrouver avec le Full Moon Blue. Voilà, Full Moon Blue. Full Moon Blue, celui-ci par contre, il a une touche de barbapapa. Alors, je vais vous donner ce qu'il y a dedans. Si celui-ci, bien sûr, il est noté. Ou il n'est pas noté. Ah, celui-ci, ils ne l'ont pas donné, tiens. La composante. Ah, si, voilà. Pêche et bubblegum. Alors, celui-là, c'était celui que j'ai le moins apprécié. J'en ai encore. C'est pas celui que j'ai dans la vape actuellement. Je vais pas le vaper maintenant. Mais ok, il a un côté bleu super intéressant. Et par contre, si je pète tout, ça va parler. Mais par contre, il est en fait. Je trouve qu'il y a. Il y a quelque chose d'un peu trop. Qui attaque un peu trop en fait. Et je pense que ça, c'est pas la pêche, mais c'est plutôt le bubble gum qui va carrément casser la tête. Et je vous dis comme c'est, à mon avis, c'est le bubblegum, franchement. Allez, j'avais envie de faire un petit cloud. Alors, dites-moi un peu si je suis pas un peu... Attends, est-ce que ça va pas mieux si je descends un petit peu la cam? Hop. On descend un peu la cam. Hop. Oh. Voilà. Est-ce que c'est pas un peu mieux, là? Je n'ai pas descendu de beaucoup, en fait. Non, ça va comme ça. Donc, ouais. Ceux-là, ils sont vraiment cool. Ce sont des bons jus. Il faut dire ce qui est. Comme dit, c'est du malaisien. Le malaisien, c'est ultra simple. Ultra simple. Alors, ensuite, on va aller sur celui que j'ai préféré actuellement. Et encore, comme dit, j'ai pas touché encore le green. Parce que je viens d'avoir le green qui est, comme son nom l'indique, il est vert.
Donc ouais, mais celui-là je l'ai pas encore touché. Alors on va voir un peu ce que ça va donner. Le green, je vous en referai une petite vidéo. Mais mon préféré pour le moment, c'est celui-ci. Encore une fois, il fait pas trop le focus. Non. Alors c'est celui-ci, c'est le Full Moon Special Edition du petit vapoteur. Alors je fais pas maintenant, je vais pas faire maintenant en fait un, comment ça s'appelle, un coup de pub, une action, un truc pour le petit vapoteur, parce que c'est pas le but en fait de la manœuvre tout simplement. Mais honnêtement, c'est un super magasin, un super revendeur de vape. Ils sont absolument géniaux, ils ont un service irréprochable, il faut dire ce qui est, c'est vraiment de la balle atomique. Je peux que vous conseiller d'aller sur leur site internet. Mais comme dit, hein, c'est pas maintenant une action que je fais pour eux, ni rien. C'est vraiment, je vous donne simplement mon avis. Pour moi, c'est un super, super site internet pour acheter des jus, pour acheter des vapes. C'est génial. Alors après, je peux vous conseiller également un deuxième site internet où moi je commande mes jus. C'est Unicorn. Alors là, c'est la même chose, c'est Unicorn Vape. C'est vraiment, vraiment très, très bien. De un, vous avez pareil un choix. Mais alors là, par contre, pour le coup, sur Unicorn, vous avez beaucoup plus de choix. Beaucoup, 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 beaucoup plus. Beaucoup plus de choix que le petit vapoteur. Mais alors, pour le coup, le petit vapoteur, vous avez un peu moins de choix, mais quand même suffisamment. Mais alors, vous avez énormément de matériel. Vous avez du matériel pour faire du dive, vous avez du matériel pour faire, bon ça vous l'avez aussi sur l'autre, mais vous avez aussi les box, vous avez les atos, vous avez du reconstructible, de tout. Alors ça franchement, la banane. Et bien évidemment, je vous laisse deviner qu'est-ce que j'ai dans ma vape. Dans ma vape, j'ai celui-ci. Donc, je vais remettre mes binocles parce que bien sûr, moi je vois rien sans. Voilà. Alors, est-ce qu'on a la composition sur celui-là? Mais sinon, je peux vous le donner de tête. De tête, je l'ai. Pour info, c'est AirVap. AirVap Distribution de. C'est des Français, hein, de Marseille, qui font les. Qui font les Full Moon. Alors là, je l'ai pas. Mais en fait, alors celui-ci, si vous voulez, c'est fruits rouges, frais, violette. Et en fait, le goût, il est juste dinguissime. Le goût, il est juste dinguissime. Il est complètement ouf. Non, non, je vous le dis comme c'est, les copains. Si vous cherchez un jus qui va vous faire vibrer et qui va vraiment vous accrocher, celui-là, il est fait pour vous. À 100%. Mais à 100%. Moi, personnellement, j'arrive plus trop à m'en passer. Je m'étais même acheté deux concentrés directs pour me faire plusieurs jus, enfin plusieurs gorillas, parce que j'ai dit, non, il faut que je le garde un petit peu, c'est pas possible. Et du coup, ouais, c'était vraiment de la balle, quoi. Et du coup, on va se faire un cloud. Hein, on se fait un cloud, on est dans un instant. On va, il faut que ça fasse du cloud un petit peu. On va faire un peu de vape ici, là. Non, c'est beaucoup trop clair. Bon, c'est parti. Ah, c'est parti. Toujours Aegis Legend. Zeus. Subwoom. J'ai pas changé. Hein. J'ai pas changé parce qu'en vérité, c'est ma daily box, c'est mon daily ato. Et en fait, je suis heureux avec. Et j'ai pas envie de changer. Par contre, prochainement, je vais vous faire un petit. Un petit test sur la Drag 3 de chez Vopou, qui est très intéressant. Ils ont changé 2-3 petits trucs, c'est absolument giga super cool. Et ça sera pour une autre fois. D'abord, on va se faire un petit cloud. Allez, c'est parti. Mais qu'est-ce qu'il est bon, ce jeu. Alors ouais, carrément, la Subwoom, elle sort un goût absolument génial pour commencer, mais en plus elle sort une vape absolument géniale. Ça c'est assez dingue, ça c'est assez dingue. Regardez, on se fait un gros cloud, allez.
On fait du beau cloud avec un super arôme qui ressort derrière. C'est juste génial. En vérité, c'est juste génial. Cette vape, elle est géniale. Et ce jus, il est génial aussi. Alors, si je peux vous conseiller Full Moon, oui. Si vous êtes franchement adepte de 1, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Ils sont aussi extrêmement cool parce qu'ils vont faire deux types de vape. Hein. Deux jus. Ils vont toujours faire un jus frais. Et ils vont toujours faire un jus en fait qui est ce qu'on peut appeler zéro en quelque sorte. Il n'est pas frais. Voilà, ça c'est un fait. Ils vont faire un jus qui est pas frais. Alors là, il n'y a pas de problème, pas de stress. Par contre, pour ceux qui aiment le frais sucré avec des arômes de dingue, il est pour vous. Il est carrément pour vous. Alors là, les yeux fermés, les potes. Direct. Allez, on se refait un petit cloud dance là. On sent la violette. Hein. La violette, on la sent énormément. Mais en fait, elle donne pas un goût agressif, la violette. La violette, elle donne en fait un petit côté, je sais pas comment le dire, c'est un petit côté volupté comme ça, dans le fruit rouge. On sent la volupté comme ça, c'est vraiment cool. Vraiment très cool. Les copains, ça c'était voilà mon petit instant vape sur les full moon. Je vous ferai un instant vape aussi sur le green parce que le green c'est plutôt voilà, c'est plutôt relax, plutôt cool. Pour ceux qui veulent et qui se posent la question aussi pourquoi je fais plus autant d'instant vape qu'avant, c'est tout simplement parce que j'ai un petit peu malheureusement j'ai un petit peu dû freiner au niveau de l'achat sur la vape. Parce que, mine de rien, ça coûte des ronds, il faut dire ce qui est. De deux, je vais pas changer de vape toutes les 5 minutes, j'ai pas mon magasin, j'ai pas mon shop, sinon je vous en ferai une toutes les 5 minutes, s'il faut, je vous refais un review sur tout, malheureusement, j'ai pas le matos. Pour ceux qui veulent éventuellement me filer un coup de main pour acheter éventuellement du matériel sur la vape, j'ai mon Tipeee, j'ai mon Utip. Vous pouvez aller voir dans la description, YouTube, il n'y a pas de problème, vous allez dedans, vous regardez. Si vous avez envie de me filer un coup de main, libre à vous, il n'y a pas de problème. Alors à partir de ce moment-là, je pourrais un petit peu réinvestir. Comme dit, je vous fais très bientôt le petit review sur la Drac 3, qui est vraiment... je vous en dis pas plus, je vous laisse le suspense, je vous ferai la Drac 3. D'ici là, dites-moi en commentaire si vous avez déjà vapé le Full Moon, s'il vous plaît, si... Vous avez envie de le vaper, peut-être, tout simplement. Vous avez envie de le tester après cette petite review. Et puis, moi, je vais vous lâcher un petit dernier cloud. Et puis, on se retrouve très bientôt. Allez, à plus, les amis.